M'a salué également chaque grand membre CAMIS, le collectif des anciens maires intérimaires d'Haïti, qui est parti à travers tout le pays. Et merci pour l'opportunité que vous offrez à REM comme coordonnateur CAMIS pour me parler de ce qui a son pays. Nous avons gardé l'aspect sécuritaire là, nous même comme monde qui était en tête de municipalité. Maintenant, sécurité en commune, sous compte qui est-ce lié? Bon, sécurité, d'abord, on y a une commune comme il y a en tête, comme premier citoyen commune, c'est magistrat. Donc, sécurité commune dépend non seulement de lui-même comme étant la première autorité dans la commune, mais de concert avec responsable police qui n'a commune et également juge de paix qui fait partie de commune. Bien entendu, dans le cas ça, nous avons un cas différent nous avons un schéma nettement différent de ce que nous avons supposé vivre en dans le pays par rapport à la réalité que nous vivons là. Donc, c'est une réalité qui nous pas jamais prévoit ça. Mais qui, je dis à que nous-mêmes n'en fait pas. Donc, je pense que ça qui t'a supposé fait, faut que nous t'aguions. Le fait que tout le monde est concentré sur Port-au-Prince, alors faut que moi clair avec vous. Parce que nous parlons de la République de Port-au-Prince. C'est un objectif que nous avons en tant qu'amis, qui est collectif des anciens maires et intérimaires d'Haïti, c'est pour nous faire valoir droit nous comme collectivité, parce que nous connaissons collectivité, c'est plus gros force qui gagne et dans le pays. Et normalement, quel que soit ça qui sera le fait comme pôle de développement, il doit passer d'abord par les collectivités. Donc, le fait que tout est concentré sur Port-au-Prince et tout est concentré dans la capitale haïtienne vient affaiblir collectivité. Il vient faire que commune n'a pas de moyens suffisants, parce que normalement, si commune a des moyens suffisants, selon la constitution, nous connaissons ça de bon poste police municipale. Donc, force police municipale là, c'est policier qui doit venir en aide avec eux, parce qu'ils sont supposés, bien évidemment, là, pour permettre, pour assurer que toute barrière fonctionne bien en matière de sécurité dans la commune. Mais malheureusement, par manque de moyens et par inactivité, nous capable de bon côté l'État central, il fait que pas de moyens qui a les jeunes communes. Et commune n'a pas de moyens suffisants. Tout, yo t'a dit, yo capable d'autofinancer cette pour bailler cette force de police municipale qui va permettre de combattre le banditisme, l'insécurité, mais également qui va permettre yo accès vers le développement, puisque nous connaissons depuis qu'il y a insécurité en côté. Mais quel que soit le pays, depuis qu'il y a insécurité, c'est sûr que l'ICE est un ennemi de développement. Je dis à commune yo c'est eux même qui a fait face avec kidnapping non et Port-au-Prince commune Port-au-Prince même si Port-au-Prince sont cas apparemment exceptionnel c'est la capitale mais l'on prend quoi des bouquets l'on prend tabac l'on prend Delma par exemple côté gagné des cas de kidnapping au quotidien qui a pas enregistré maintenant. Ou gen comme impression qu'on pas senti municipalité ou nan réponse qui doit bay a problème ça. Ça passe même, c'est un dossier qui pas concerné municipalité ou comment c'est maire. Bon même on pense position nous par rapport à ça c'est que bien sûr les concernés parce que normalement des communes dans malade quel que soit commune ça frappé par nous capable dit pas fléau ça qui c'est insécurité, kidnapping tout ça. Donc li apiété sur commune c'est ça ça on attendé une croix que selon information que moi disposé c'est quoi de vous dit au même la remettre démission parce que yo pas ca fonctionner yo pas ca faire rien donc on y a il revient à l'état central à travers le ministère de l'intérieur des collectivités territoriales qui c'est ministère qui croissait en termes de mairie dans la capitale là pour ta épauler mairie ça dans cadre rétablissement de l'ordre public, dans cadre rétablissement de la paix et également apporter un minimum de soulagement avec la population. Mais là, nous connaissons que ça a toujours fait, c'est une question de 6 ans, mais qui peut jouer dans la question de Saharo, dans le domaine de Saharo. Donc, il fait que si le magistrat n'a pas de bon acquaintance avec le monde qui est responsable du ministère de la collectivité territoriale,
c'est sûr que les pas capable aboutir, les pas capable à faire un objectif ça. Donc je pense que c'est premier ça moi-même pense qu'il a supposé faire, c'est une prise de conscience collective. L'aime dire en prise de conscience collective, c'est pas seulement à travers mairie, c'est pas seulement à travers collectivité, mais également à travers les autorités au plus haut niveau. Parce que quand ça qui dépasse, quand il y a Kavin dépasse mairie, si t'es bon force politique municipale, j'aime dire tout à l'heure, depuis à l'avance, ça t'a peut-être éradiqué, mais le fait que pas gagné moyen pour créer force ça qui constitutionnel, d'une fait qu'il dépend de la police nationale d'Haïti. Or, nous connaissons dans quelle situation la police nationale d'Haïti, non seulement en termes d'effectifs, mais également en termes de moyens.